Potentiellement bonjour YouTube. Dès qu'on me demande beaucoup de jouer Echo et vu qu'il me reste plus qu'une game pour le passer maîtrise 7, ce sera potentiellement la dernière pour YouTube. C'est vrai qu'il y avait d'autres games qui étaient bien, j'ai pas vraiment pensé à les mettre sur YouTube, mais bon, peut-être que celle-là se passera bien. Petit Echo mid, on est contre Yone, qui est pas forcément un très bon match-up, mais qui peut se jouer, je pense. Ils ont pas une compo super fun, mais... Mais on va voir ce qu'on peut faire. On va voir ce qu'on peut faire. On a Yone qui est là. Je pense que contre Yone, on va pas spécialement essayer grand chose en early. On va juste tranquillement prendre la pression mid. Essayer bien sûr de pas rater de farm. On a raté un, c'est dommage. On envoie tout sous tour. Il va en rater au moins. Bah, il va rater les deux. Dommage. Il en a raté trois du coup, donc ça va. On se met bien sur la première wave. On va essayer de passer niveau 2 en premier. Ok, on a Maître Yi qui nous gank. On lui fait prendre un coup de tour. Petit dodge. Ok, ça nous met bien, c'est cool. Petit coup de tour pour Maître Yi. C'est toujours ça de donner. On ramuse directement. Ou le dashin en plus qui met mal. Le flash out. Allez, ramuse. Bon, je pense que je l'aurai. Ah ouais. Ah, c'est, ça flash in pour me KS, on est... On est un game viewer, hein. Pourtant je rappelle que j'en ai avec des gens qui sont censés m'apprécier. Hein. Mais apparemment on me chie dessus dans la team. J'ose même pas imaginer ce que ce serait en ranked. Bah un plaisir de jouer avec vous les gars, c'est vraiment... Ramus a même pas eu l'assist. Et là il y a Garen, il arrive, il lâche son meilleur flash. Flash auto-attaque pour KS. Ah, ça me fume. On va aller ward le... Merde, je vais pas passer par là, mais... On va aller ward la jungle du Yi. On va aller ward la jungle du maître Yi. Histoire d'être safe un maximum. D'être safe un maximum et de farmer cette mid lane. Quand very early en soi, si ce n'est grâce au gank, il y a assez peu de chances qu'on... On récupère un kill. Bien joué. Bien joué, Saramus. C'est ça qu'on veut. Meilleur Amus d'Europe, on rappelle. Hein. On va lui écrire wellplay. Bien joué, bien joué. Bon, les cookies, on s'en sert juste pour augmenter notre mana max en soi. Il n'y a pas vraiment d'autres raisons. Ah, yes, on a tout. Et du coup, on a assez de gold pour récupérer. L'extech machin, ça s'appelle comment déjà? L'alternateur extech. Bah, récupérons cet alternateur extech avec grand plaisir. Quand on se fait gank, le jeu est plus simple. Bah après, faut faire des bons ganks parce que tu regardes le gank du maître Yi là, c'est pas exceptionnel. Hein. Qui est ce viewer? Il t'a dû avoir ta maîtrise 7. Je pense qu'il a voté non. À mon avis, il a voté non à la maîtrise 7. Il ne voulait pas que l'on l'ait. Que l'on ne l'ait. Ouais. Parlons français quand même. Hein. C'est la moindre des choses. Ok. On essaie de pas rater de farm. C'est pas le plus important, mais ça reste cool d'avoir un bon farming. On a Maître Yi qui est topside. Est-ce qu'on gank la botlane, Monsieur Ramus? Non, tu veux gank le mid? Non, tu veux faire les raptors? Et donc les raptors, Monsieur Ramus. Je suis pas très bon avec les zones de écho, en vrai. Oula.
C'était pas spécialement ce que j'avais prévu. J'aurais pas dû mettre de points dans le R, mais bon, c'est parce que je suis matrixé du level up du spell dès que je level up. Mais en vrai, avec Echo, tu peux ne pas level up le spell et le level up que quand on a besoin, en gros. Et de cette manière, ça fait que tu vas pas montrer la traînée derrière toi, en fait. Et ça peut bait. Et ça peut bait, donc ça peut être sympa dans certaines circonstances. Quand tu passes niveau 7 et que le mec fait pas attention, il voit pas son truc. D'accord. Petit maître niveau 4 qui s'est dit passer sur la mid lane, ça pouvait être sympa. Bah non, fallait pas, hein. Fallait vraiment pas, frérot. Passer sur la mid lane, fallait éviter, là. Je pensais qu'il allait dash in. My bad. Enfin, my bad. Ouais, non, c'est peut-être greedy, ça, Ramus. Hein. C'est peut-être le meilleur Ramus d'Europe, mais je te fais pas confiance là-dessus. Hein. Je ne te fais pas confiance là-dessus. Ah putain, j'ai pas assez de dégâts pour tout one-shot. Nous devons back. Voilà. Ok. Très bien. Très bien, monsieur. Je vais pas vous importuner, moi. Le problème, c'est que je le one-shot pas, là. Enfin, je pourrais le tuer tranquille sous tour, mais j'aimerais bien avoir le temps de air out. Moi, juste back, tranquille, on prend saut noir. Non, 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 je back. On prend saut noir, on prend une baguette explo, et on se met bien, on a les bots dans les runes dans tous les cas. Donc let's go. Qu'est-ce que tu fous, Garen? Quel est l'intérêt de ça? Ah, il va mourir du Metroid, donc c'est même pas worth s'il donne une assist au Yone. C'était donc de la merde. Ah merde. Il arrive super tard, j'avoue qu'il est tard. J'avais envie de donner des codes. Donc on donne des codes. En vrai, est-ce que Maître il veut pas se remontrer là qu'on le tue un peu? Bon, on va jouer avec la proto. Je sais que le Night Harvest c'est fort, mais je préfère la proto overall. Je préfère la proto overall en vrai. J'ai même pas besoin de l'UR. Oula. Yo Nasus! Bye Nasus! Salut Maître Yi! Viens de battre. Oh, il veut pas se battre, le Maître Yi. Ah si, il faisait le tour. Ah là là, si malin, ce Maître Yi. Oh non. Ok. Ah, le taunt, il dure pas longtemps, Ramus, tiens. Je croyais que ça durait plus longtemps que ça, tu vois. Ah là là, il a été si malin, le Maître Yi, à faire le tour comme ça. Bon, et après, les combos classiques, hein, Echo. Essaie de proc 3 marques. Et ensuite, tu kites tranquillou. En vrai, j'aime bien Echo comme champion, mais je le joue pas très souvent. Bon, là, on va le passer maîtrisé, donc c'est qu'on l'a un petit peu joué, mais... Enfin, je dis ça comme si on allait réussir. Hein. Ça se trouve, on va fail, hein, la maîtrise. Allez, on a la proto. On a la proto, tranquille. On va pas finir le Magi tout de suite. On va faire les bots... Tranquillou, récupérer une red trinket. Et on est plutôt bien, on va se servir de la proto évidemment comme chase, principalement. Après, si on peut dodge des skill shots avec, c'est toujours sympa. Pixel le i. Ah merde. Ne faites pas le show devant la caméra, il a dit, c'est vrai. Pour commencer Kata, quelle rune build sans mieux avec toutes les vidéos YouTube, je suis un peu perdu.
En ce moment, joue Conqueror et... Joue Conqueror et... Et BRK first, Kraken deuxième item. Je pense que c'est le meilleur et le plus simple. Pas de chance pour le Garen qui ne récupérera pas ce kill malheureusement. Est-ce qu'on peut aller one-shot le petit Yone là? Ouais, je pense qu'il y a large moyen qu'on le one-shot là. Un combo là, il est mid-life. Ça fait vraiment mal écho hein, quand c'est devant. C'est vraiment un champion quand t'as un peu d'avance. Tu peux vraiment te mettre si bien. Pas trop envie d'aider la botlane, je veux pas qu'il surraine trop vite. J'ai envie de montrer un petit peu ce que ça donne Echo une fois que ça a du stuff. On va faire un fléau de Lich en deuxième item. On peut faire un Zhonya aussi, le Zhonya est très très fort. Oula. Il a son... My bad, il avait sa méditation qui en soi est logique. Hein. Je me suis un peu précipité là-dessus. Je peux m'en vouloir parce que je rate la tourelle. Est-ce que je grille la tour ou pas? Non. Ah si, peut-être, non, oui, non. Non, on va pas grille la tour. J'aimerais bien avoir le Medjay en vrai, là. Peut-être moins hein, qu'on arrive à... Non, on va faire le fléau de Lich. On va faire le fléau de Lich parce que je l'ai pas assez stack, le Medjay. Mais si on avait 10, 8 stacks, on aurait peut-être pu envisager de le faire. Ça va surtout dépendre des golds qu'on a en vrai. Mais... Le problème, c'est que j'ai plus beaucoup de... J'ai plus beaucoup de mana, donc je vais sûrement vouloir back très très vite. Il va vouloir me cancel, non? Qu'il est mignon. Ah merde. Ouais, le petit sidestep, ouais, on peut le dire ça. Ouais, j'ai assez de mana pour mettre deux sorts là. Oh merde. Ouah! Pardon? Il m'a tué par quelle sorcellerie là? Allez, donne-moi l'assist, merci frérot. Attends, je me suis fait sorceler la gueule là, c'est pas possible. C'est quoi ça? Bon, my bad, désolé. Bon, c'était un peu greedy aussi, mais. Je pensais pas qu'il avait déjà récupéré le Q. Autant pour moi. Oula, le flash in au top lane. Qui montre sa supériorité. Hein, sa supériorité mécanique au Nasus. Oh là là, regardez-moi ce frérot. Regardez-moi ce frérot Rammus. Bon, après, la wave est petite, mais... Mais le frérot... Ah bah oui, c'est parce qu'il a une... Il a une Sunfire. Du coup, ça push les minions pendant qu'il essaie de freeze. Nature Touffe. En vrai, c'est bien la Nature Touffe, mais là, on va pas vraiment jouer pour la Nature Touffe, quoi. On va plutôt jouer le Burst que le DPS. Mais ouais, je sais que la Nature Touffe peut être sympa, mais... Mais on va pas jouer avec. On va pas jouer avec cette game. Ok, bon, on récupère ça. Est-ce que j'essaie de le dive? À mon avis, ce n'est pas une bonne idée. Vous avez vu déjà les dégâts qu'on fait. On one-shot les waves. On one-shot l'intégralité de la wave au calme. J'arrive, Rammus. J'arrive, Rammus. Ne t'inquiète pas, je suis là. Oula. Maître Yi qui perd sa méditation. Oh là là, ce stun. Ce stun directement proposé par la Flash Shadow TV. C'est cadeau. Je ne demande rien en échange. Si ce n'est un petit abonnement à la Flash Shadow Télévision. Mais bon, c'est trois fois rien. Voilà.
Ah merde! J'ai pas pu R du coup à cause du. À cause du passif de Samira, fait chier. My bad là-dessus. My bad, my bad. Don Nashor, c'est fort contre quel match-up? Sur Kata? Ou sur Echo? Parce que je connais pas assez Echo pour avoir un build secondaire là. Ouais, ce R aurait été vraiment huge là si j'avais pu le placer, c'est dommage. C'est vraiment triste. Bon, on va essayer de commencer le roaming là. Bon, le Yone va jouer avec le shield bow, donc il sera plus compliqué à tuer. Ok, on récupère tout ça. Bien top, c'est free kill. Ouais, Nasus, free kill, tout ça, hein, on connaît. On connaît les free kill Nasus. Hein. Est-ce que je peux bait leur bot lane là ou pas? Chut, faites pas de bruit. Si vous faites pas de bruit, ils vont se faire avoir. Faut juste pas faire de bruit en fait, c'est comme ça que ça marche. Chut. Ne faites aucun bruit, hein. Vous allez leur faire peur. Mais non, mais Rammus leur fait peur, là. Bon, ils font quoi? Merde. Je me suis fait exhaust. Oh, ignite, je vais dire. Ok, nice. Bon, c'était pas exactement ce que j'imaginais, mais... Ah, merde, je vais voler le... Je lui ai volé le truc, je suis un enculé. Ah, c'est pour le S. C'est pour le S, on en a besoin. Ah. Ok, bon, on s'est mis plutôt bien. Ah ouais, le stuff de Samira, c'est agressif quand même. Yo first item, c'est pas exceptionnel, je pense. Je pense pas que ce soit exceptionnel, en vrai. Bon, on n'a pas assez de CDR encore. Enfin. Pas assez de niveau dans les sorts. On a le top qui est en train de push avec l'Hérald. On va peut-être essayer d'aller les aider. Pa, 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 pa. Pa. Sur Echo, j'avoue que sur Echo. Sur Echo, j'ai jamais essayé de jouer la Dawn Nashor à part en late game. Où je pourrais pas beaucoup t'aider à ce niveau-là. Ah, oh, ils vont pas me laisser back. Oh, ils sont trop sympas. Regardez comment ils sont mignons. On va faire le Zhonya. Et ensuite, une fois qu'on aura fini le Zhonya, on pourra envisager de... d'améliorer le Medjay. À partir de là, je pense qu'on pourra se considérer comme assez safe pour faire un Medjay. Ouais, s'il y a des tanks, en gros, ouais. En gros, plus tu vas... Plus t'as d'opportunités de mettre des auto-attaques, plus ce sera rentable, quoi. My bad. J'ai pas pu dash, c'est dommage. My bad sur ce move, j'ai R un petit peu en mode panique alors qu'il n'y avait pas spécialement besoin du R là. Bon, la team a bien joué par contre. La team a bien joué. Vas-y, je vais me forcer à bien jouer, on achète le Medjay et on ne meurt plus jamais. Plus jamais de mort, ok? Il est ralenti là, le Rammus. Plus jamais de mort. Le GX. Plus jamais de mort. C'est pas parce que t'es platine, gold ou diamant que t'es forcément meilleur qu'un bronze. Bah si. En fait, c'est comme ça que ça marche. Un diamant est meilleur au jeu qu'un bronze. C'est tout con, hein, mais c'est comme ça que le jeu fonctionne. Hein. C'est comme ça que le jeu fonctionne. Plus jamais de mort. Plus jamais de mort.
On va récupérer le bleu buff. Le bleu buff qui nous est si gentiment proposé. Et salut Nasus, je vais absolument pas essayer de t'embêter parce que j'ai absolument pas envie de me faire péter la gueule. Merde, elle a mangé mon Q. Je sais pas pourquoi on n'a pas juste tenté de finir le... Pas du Zonia, my bad. On a un Medjay à garder. Pour le Medjay. Il a plus beaucoup de mana, lui. J'ai pas le droit de grid, là. Oh merde. Oh. Putain de vide, merde! Pourquoi j'ai Zonia dans le vide? Pourquoi j'ai Zonia dans le putain de vide? Je suis un débile! Je suis un putain de débile! J'avais juste un R, putain! Oh, mais non, fallait pas se suicider, genre. Je veux pas perdre mon Medjay, en fait! Je voulais pas perdre mon Medjay! Ben oui, non, c'est clairement pas parce que t'as déjà battu un diamant que tu vaux le diamant. Genre. Ça marche pas comme ça. Genre, j'ai déjà battu des joueurs pro, je suis pas joueur, je mérite pas d'être pro, genre, ça a aucun sens. Ça a aucun sens de penser comme ça. La seule chance pour laquelle un bronze pourrait être meilleur qu'un diamant... C'est qu'un Smurf Challenger spermalouse des ranked en faisant exprès, finisse bronze, et là, ouais, d'accord, il sera meilleur, mais... Mais bon, on appelle ça Dwint, donc... Je pense pas que le Int compte, tu vois. Ah. Ouais, le slow, ouais. Je me doutais bien que c'était de la merde. Pas mal. Pas mal. Il est solide le Ramus de Prey en vrai. En vrai de vrai. Oula. Tout va bien. Tout va bien. Je maîtrise la situation. Ah yes. Je maîtrisais pas la situation, my bad. My bad, je maîtrisais pas la situation. Ah merde. Ah, le maître vient de faire un unofficial penta là, non? Go group. Bon, après, on n'était pas groupe aussi, c'est pour ça. Ils vont finir la game là? Ben, ça va, les gars, calmez-vous. Ouais, c'est ça, ouais, reculez, ouais. Allez, Rabus! Go, go, go! Non, va, prends-le, mais prends-lui! Non, mais il faut le tuer! Bon, on va le tuer. Ça va être long, mais on va le tuer. C'est bon, on l'a tué. Est-ce qu'on peut faire le Nash ou pas? Oh, dommage. Oh, pas mal. J'aime ce que je vois. Ah, il a taunterelle.
Oh, c'est si triste. Oh, c'est si triste d'avoir Taunterelle par contre. Ok, nice, bien joué. Bien joué, bien joué. Garen va défendre, on va faire le Nashor. Et tout va bien se passer. Faut faire le Nashor par contre quand... Ok, faut aller tuer le Metroid, faut aller tuer le Metroid, tuer le Metroid. Tuer le Metroid. Aidez-le, aidez-le. Bon, dommage. Il est là. Chet. Bon, du coup, pas de... Oh putain, les dégâts. Du coup, pas de... pas de Nashor. Pas de Nashor. Est-ce que j'ai un bleu? Ah, je pense que le bleu était sur Metroid, non? Ah non, même pas. Du coup, il y a un bleu. Enfin, les dégâts qu'on fait, par contre, c'est impressionnant. C'est impressionnant, les dégâts du champion. Le passif, plus le passif du Z. Les patates que ça met! Les patates de forain qu'on met, allez, go, go Rabadon. Et on parlera de patates pour de vrai. Hein. On fera une dent de Nashor si jamais on perd le Medjay. Ça me paraît être la bonne solution. Bah, Panthéon mid, c'est un des meilleurs midlaners actuellement. Donc ouais, j'imagine que tu t'amuses. J'imagine, j'imagine. J'arrive les copains. Oh, bien joué, bien joué. Sauvez la soldat. Ah merde, je vais rater le penta, c'est dommage. Oh, on était pas loin d'avoir le penta, en vrai. Ah. Ah ah, dommage, on aurait eu le penta, la report MF. Ok, ça va, tout va bien. Ah oui, c'est vrai que le passif de Echo fait plus de dégâts dans la jungle, c'est vrai. My bad. Ouah, voilà. Ça en fait des dégâts là aussi, en vrai. Allez, il me manque 100 gold, 200 gold même. On récupère tout ça. Et on sera plutôt pas mal en termes de dégâts, là, je crois. Je crois qu'on sera pas mal. Récupérons tout ça et c'est parti. On a les 25 sacs de Medjay. On n'a plus qu'à faire le Penta maintenant. Et vous pensez que la dent de Nashor est mieux que le Fleu de Lich? En vrai, c'est possible. Hein. C'est largement possible. Je pense qu'au pire, on change le Fleu de Lich et on fait une dent de Nashor à la place. Tu vois. Moi, je trouverais pas ça con. Hein. Salut, Awera. Je trouverais pas ça spécialement con, perso. Ah, on met pas de Penta. Go, go Nashor. On a combien d'AP là? 726. Il faut finir le match. Hein. Quoique peut-être pas. Il ne faut pas finir le match. Merde. Nashor. Merde. Le Nasus. Ah. Ok, c'est bon. Attendez, il reste Maître Yi encore. Hein. On n'a pas tout fini. Hein. Il reste Maître Yi à éliminer après. Ne vous en faites pas, j'ai un smite. Je l'ai pas lancé. J'avoue que pour MF... Oh! Montrez-lui à se mettre ready, là. Vas-y, on va tenter de faire la dent de Nashor à la place de ça. Ah, j'ai pas les golds, fais chier. Il me manque un peu de gold. Est-ce que quelqu'un veut me donner des golds, là?
Oh, merci pour les golds, les mignons. Vous êtes vraiment mignons. Pardon. C'est vraiment le genre de blague à ne pas reproduire chez vous, s'il vous plaît. Ne soyez pas cet ami relou. C'est pas une bonne idée. Ouais. Oh, je sais pas. En vrai, je sais pas. Le Nasus, on lui met quelques patates. En vrai, c'est vrai qu'on met très très peu d'auto-attaque en soi dans les fights. Déjà, on récupère la Blue Trinket. La Blue Pot. Par contre, faut arrêter avec vos TP de merde, les gars. C'est quoi ce TP, là? En vrai, la TP, ça sert à mettre de la pression quelque part, pas à se balader. Là. Tu TP pas parce que t'as la flemme de marcher. C'est pas comme ça que ça marche. Enchanté, je suis Echo. Enchanté, je suis Echo. Et il avait son shield, hein. Il avait le shield, hein, le Yonnais là-dessus. En vrai, go Penta. Faut tuer Nasus first. Et je tue le reste. En vrai, si on tue Nasus en premier, on peut peut-être Penta. Ok. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Allez, le maître Yi, on est bon. Le maître Yi, on est bon. Oula. Ah non, c'était peut-être un poil trop greedy, ça. Ah, vas-y, maître Yi, ouais, je fais pas ton... Je fais pas le bâtard. On l'aura jamais. Ah, le chien. Oh, je l'aurais pas. Trop triste. Trop triste. Trop triste. Non, vas-y, backé, laissez les def. Go faire le Drake, au pire, go faire le Drake. On l'aura Spenta, on l'aura Spenta. Non, il est pas marrant, le type. Après, il fallait pas aller aussi deep. Il aurait fallu qu'il m'attende. Que Ramus dorme attendre que je touche deux stacks, tu vois. Avec trois stacks, je le one-shot le maître Yi en soi. Il y a vraiment que Nasus que je one-shot. Que je one-shot pas. Même le Drake, je le one-shot. Ah merde. Et on va récupérer notre potion. Y'a rien à flash, j'ai pas vu. J'ai pas vu MDR. Ça fait très mal. J'avais 900 d'AP, non? Avec le Nashor et la potion, non? T'es pas loin des 900, je crois. Tu vends tes bottes pour un bâton du vide. Non, les bottes sont trop importantes, je pense. En fait, le problème, c'est que vu que le passif de Echo fonctionne en pourcentage de move speed, t'as besoin d'avoir de la move speed de base élevée. Et les bots, ça donne de la move speed de base, en fait. Ok, go tuer le Nasus. Oh non, Garen! Attends, c'est pas grave. Non, arrêtez. J'ai pas eu le premier kill. Arrêtez! Ah putain, fais chier. Ah, le Penta qui sera compromis. Arrêtez de les taper. Attendez que Maître Yi spawn. On va le faire, le Penta, vous inquiétez pas. On va donner tous les giveaways après cette game. On donnera tous les giveaways après cette game, je vous le dis. Garen, tu touches pas. Focus le Nasus, si possible. C'est le plus dur à tuer pour moi, le Nasus. Faut réussir à les laisser défendre aussi.
On attend qu'il soit prêt pour fight et on fait le fight de la fin. On fait le fight de la mort après. Je vais one-shot le Gromp. J'ai raté le timing, dommage. Dommage, dommage. Faut qu'on fight ici. Ou là, mais... Ah, faut qu'ils soient groupés, par contre. Qu'on arrive à les regrouper et qu'on arrive à surtout focus le Nasus. Gonash, ouais. Gonashor en attendant. Hop là, un petit moins 2200. Sympathique. J'ai pas réussi à le smite. J'ai pas réussi à le smite, my bad. Non, pas besoin du raid. Ok, ils sont 3 top. Le problème, c'est qu'on a le Nashor, fait chier, merde. Enfin, je veux dire... on peut pas dash ce mur. Le Nasus. Ok, il a R, c'est bien. Faut réussir à tuer le Nasus, là. Vous savez, je vais mettre Kruis sur ma gueule, moi. Yes. Yes. Bon, bah, du coup, on n'a pas réussi. Bah oui, là, vous avez un peu troll, les gars. Mais bon, en vrai, je pense, on peut pas. Je pense, on peut pas, en vrai. Ils vont finir, là, en vrai. Hein. Ils vont finir la game, là-dessus. Non, je pense qu'ils sont obligés d'aller défendre, là. Sinon, les minions vont finir avant. Vont finir avant eux. Ça va dépendre le focus. Ah, ils ont bien focus. 20 secondes. Ouais, ils ont peut-être gagné la game. Hein. Ils ont peut-être gagné la game. Bah, tant pis. Hein. Tant pis, qu'est-ce que je te dise. Ah, c'est une normal game, les gars, quand même. Amusez-vous un peu. Loser. Ah ouais. C'est une putain de normal game. Genre, on les a laissé défendre. On les a laissé défendre et ils nous insultent. Bah yes. Bon, je pense qu'on a quand même le S, hein, pour être honnête. On a évidemment le S. Genre, bah yes. Bah, très très sympa, en tout cas, d'être fair play avec des fils de pute. Ça fait toujours plaisir. Mais non, mais c'est pas une remontada, c'est juste qu'on a int, là. On les a laissés win, en gros. On voulait juste ce fight, déjà. Bon. Du coup, merci YouTube. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'était le petit gameplay écho. Bon, désolé, on a lose la game. On a un petit peu green. Normalement, la game était win, mais on s'en fout. Hein. On était là principalement pour avoir des jetons dans tous les cas. Donc merci, j'espère que ça vous aura plu, je vous souhaite une très très bonne soirée, et je vous dis à demain. Bye bye.